En ce moment, on atteint des températures records. 35, 40 degrés. Mais qu'est-ce qui se passerait si on atteindrait 50, 70 degrés? On commence négativement, alors à moins 219 degrés, tu ne peux pas respirer. Moins 200 degrés, tu survis seulement quelques secondes. 150 degrés, tu as extrêmement chaud. Et ça fait l'inverse quand il fait trop froid. Moins 90 degrés, ta salive gèle. Moins 60 degrés, tu peux survivre. Avec des habits chauds par contre. Moins 20 degrés, sans gants, tes mains gèlent. 5 degrés, tu fais de la buée avec ta bouche. Ah ça, on connaît tous quand il commence à faire froid. 19 degrés, c'est la température parfaite pour un corps humain. 32 degrés, tu transpires. 35 degrés, c'est ce qu'on a eu comme température. Tu vas ressentir de la fatigue. 47 degrés, tu vas avoir des hallucinations. 54 degrés, tu as de grandes chances de t'évanouir. Mais à l'intérieur, ça doit bouillonner. 65 degrés, ta peau brûle. 65, mais 100 degrés, tes poumons brûlent en respirant. 600 degrés, tu as extrêmement froid. Donc là, c'est l'inverse. 850 degrés, tu ressens la pire douleur. 5 millions de degrés, tu te désintègres instantanément. Abonne-toi.